Salut, je vous ai introduit ce vlog. Il est rendu 9h15 le soir. Je suis en train de faire le montage. Mais comme c'est pathétique mon affaire, le vlog dure genre même pas 8 minutes. Là, genre, là, j'ai pas encore fini, mais il durera pas même plus longtemps que ça. Puis c'est le vlog où je déparle le plus du monde. Je me trompe dans le nom de mes gars. Je répète plein de fois les mêmes affaires. Puis genre. C'est parce que je peux comme pas vous spoiler. Oh, je vous spoil-tu? Oh, je sais pas. En tout cas, il y a un moment où je dis, je suis en avance. Ok? Mais dans le fond, je suis pas en avance. Tu sais, je suis pas plus d'avance. J'ai plus avancé. Vous comprenez? Je suis plus loin que je pensais. Je suis pas à l'inverse. J'espère que c'est clair. Parce que moi, je m'écoute parler, puis Seigneur, ça fait aucun sens ce que je dis. Ben, je me suis levée à 4h35 ce matin. Puis, je pense que ça a paru. Je pense que ça a paru. Puis, j'étais pas capable de boire mon café. J'en suis fait un beau, il était bon en plus. Mais j'étais tellement stressée, j'avais une grosse boule dans l'estomac pour mon échographie. Fait que j'ai eu de la misère à manger, j'ai eu de la misère à boire mon café. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite un beau vlog, même s'il commence un peu sec. Fait que c'est ça. Bonne écoute! Salut, il est rendu midi et demi. Ben bon matin en fait. Je sors de mon échographie. Bébé va bien. Le cœur bat 150 battements minute. Puis j'ai une prédiction de sexe. Mais je vais la garder en attendant, vu que je suis pas convaincue. C'est comme un pourcentage. Fait que. Mais en tout cas. Moi, je suis pas mal certaine de ce que j'ai vu. Mais bon, on va voir rendu là. Puis, je parle à mon vlog. Fait que c'est ça. Fait que là, on retourne. Les routes sont vraiment dégueulasses aujourd'hui, c'est tempête. Fait qu'on s'est pris un petit sac de chips, mais cuit au four barbecue, bref. Puis ici, ils ont les barbecue crème sure et oignon. Ça a l'air trop bon. Fait que. Voilà. Puis, acheter des photos, ça coûtait 2 $ la photo. Oh non! Ça coûtait 2 $ la photo pour avoir des photos du bébé. Je suis triste, n'importe quoi. Mais, c'était juste content, on n'avait pas d'argent comptant. Fait que la fille a dit, oh, genre. Elle a dit en anglais, mais elle a dit, prochaine fois que vous venez, vous paierez. Je genre, je reviendrai jamais ici. Fait que, sorry. Fait que. Finalement, ils n'ont rien coûté, mais. C'est ça, on en a juste deux, puis genre, ils sont pas belles. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte d'avoir ma deuxième écho à Gatineau. Fait qu'on s'en va. Oh non, je vais jam. Fait qu'on s'en va à la maison! Salut, il est rendu 1h40 peut-être. Jay est rentré chercher Zach chez ma belle-mère. Puis là, ben, ça a l'air long, ils doivent parler, je sais pas trop. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis en train de parler à ma soeur, donner des nouvelles du bébé. J'ai parlé avec Émilie aussi. Puis c'est ça, je sais pas si je vous l'ai dit, j'avais une prédiction à 80%. Je me souviens plus de ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Puis genre, à l'hôpital à Ottawa, je lui disais, ils entendent du bruit, c'est parce qu'il y a du chauffage là. Genre, la clarté nucale est gratuite, ok? Genre, ça m'a rien coûté faire la clarté nucale. Mais avoir des photos, ça me coûtait 2 $ la photo, genre. What the fuck? Tu sais, d'habitude, genre, ils t'en donnent comme 5 puis c'est gratuit, là. Mais là, c'est ça. Il y en avait comme 2. Genre, ben moi, j'en ai pris 2. Puis c'est elle qui choisissait, là. Tu sais, c'est genre même pas moi qui les ai choisis. Fait que c'est ça. Ouais, fait que c'est sûr que même si. Je pense que Jay s'en vient, je sais pas trop, je vois rien. Ah ouais, Jay s'en vient. Ouais, c'est ça, même vu que. Même si j'ai ma prédiction pis tout, ben c'est sûr que je vais attendre 20 semaines avant de vous en parler parce que c'est rien de certain encore. Même si c'est comme je vous dis 80%, là, on est pas mal convaincus, mais. En même temps, on est pas mal convaincus, elle est pas mal convaincue, fait que c'est à voir. Fait que voilà, fait que là on retourne à la maison, puis on va aller attendre Zach, puis on va passer le reste de notre journée. Je sais pas trop, il risque de pas se passer grand d'autre chose, je suis désolée, je pensais vous emmener avec nous plus que ça, mais bon. Fait que je vois mon petit fifi qui arrive! Oh, salut! Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Ouais, c'est ça. Excusez, on vient d'arriver à la maison. Il est 2h02, ça je vous ai pas parlé plus longtemps, mais là... Comme vous voyez, je continue de filmer avec mon cellulaire parce que mon téléphone est. Ma caméra est en haut et j'ai vraiment pas envie d'aller la chercher. Fait que dehors, c'est encore full tempête là. Fait que pas besoin de vous dire que ça a été vraiment de la
marde, genre, marde, 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 aller à Ottawa, puis revenir d'Ottawa. Ben, revenir, c'était vraiment moins pire, mais aller à Ottawa, c'était dégueulasse. Je pense que ça disait qu'avec le trafic, ça allait prendre genre 2 heures. Là. Mais finalement, ça disait 1 heure. Après, tu sais, le temps que ça allait déboucher un peu, puis tout. Fait que c'est ça. Fait que, oui, je vais le répéter 20 fois. Ça a super bien été, puis. C'est juste que j'étais un peu déçue, pas de l'expérience, mais bel et bien de comme les photos qu'il fallait payer. Puis les photos sont vraiment pas tant belles. Là. Fait qu'en tout cas, je vais peut-être te la montrer. Ben là, j'en avais 2. Puis Jay en a donné une à sa mère. Fait que genre, il m'en reste juste une autre. Mais c'est pas grave, là. Puis c'est ça. Fait que moi, ouais, vous êtes tellement plusieurs à m'avoir écrit genre. Oh, donnez des nouvelles, pis tout, qui me souhaitait merde pour mon écho, pis tout, parce que vous saviez à quel point j'avais peur, pis que j'étais vraiment, je sais pas comment dire, là, mais tu sais, c'est ça, j'avais peur, en gros. J'étais inquiète, pis finalement, ben, tout va bien. Aussitôt qu'il y a mis comme la machine sur mon ventre, genre, j'ai vu tout de suite le bébé bouger, pis j'étais genre, yes, genre, je capotais, là. J'étais contente de le voir bouger, pis je sais pas si je l'ai dit, son cœur battait à 150 battements minute. Fait que c'est ça. Ouais. Donc là, mon prochain rendez-vous de suivi chez le médecin, c'est le 13 février. Je vais être à... Parce que là, oh, je l'ai pas dit, je pense. Je suis plus tôt dans ma grossesse que je pensais. Dans le fond, je pensais qu'aujourd'hui, j'étais à 13 semaines et 6 jours. Finalement, j'étais à 14 semaines et 3 jours. Fait que ma date prévue d'accouchement, elle a bougé comme... Pas de beaucoup, mais elle a bougé comme du 25 juillet au 21 juillet. Fait que j'ai comme 4 jours de plus. Tant mieux, hein? ça va passer plus vite. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Donc là, Jim Tex, il était au Subway. On va manger du Subway parce que j'ai pas mangé encore. J'ai mangé ce matin, vraiment tôt, parce que je me suis levée à 4h30. Mais j'ai pas mangé depuis ce temps-là. Fait que c'est ça. À tantôt! Salut! Désolée pour ce cadrage très peu habituel. Il est 8h30. Je m'en vais faire le montage. Puis genre, oui, calendrier est au mois de novembre, puis il est plus bon. Mais bon, il nous dérange pas même. Fait que c'est ça, on vient d'écouter District 31. Puis c'est ça. Fait que je m'en ai parlé au montage du vlog. Puis vous montrer ma photo d'échographie de bébé. Parce que comme je vous ai dit, les photos étaient payantes, fait qu'on en a juste pris 2. Puis Jay en a donné une à sa mère. Puis genre, vous allez peut-être voir là, la qualité merdique de la photo comme... Mais, tu sais, on voit super bien. Mais comme... Je sais pas comment dire. On voit super bien, mais c'est comme pas une photo d'échographie habituelle. C'est un peu spécial. Fait que voilà. Fait que... Voilà bébé qui est bien installé. Puis que... Seigneur, hein, c'est la grosse vie. Puis genre, je l'ai pas dit tantôt, là, mais comme... Ce bébé a des vers dans les fesses, là. Ça n'a pas de sens. Il bougeait, genre, sans arrêt. Puis là, je vais continuer à dire ça, comme tout le monde le dit. Mais on dirait que moi, dans la vie, je prends ça pour acquis, mais pas tout le monde, ça a l'air. Quand je dis « il », c'est « il » le bébé. OK? Parce que, genre, sinon, ça va faire comme « ah, oh, mais vu que tu dis « il », ben, c'est un gars. » Ou genre « ah, oh, vu que tu as dit, je sais pas, moi, ah, ben, c'est une fille. » Genre, ça, je décide. Bon, tu sais, la déneigeuse, toute chose. Je décide du genre que j'emploie quand je veux en parlant du bébé. Fait que vu que c'est un bébé, ben c'est il. Vous comprenez? Là, ça veut pas dire que vu que je dis il, que c'est une fille non plus, là. Faut pas prendre ça pour acquis, tout le monde. Fait que c'est ça. Puis essayez pas de faire genre des prédictions, genre à tout bout de champ avec ce que je dis, avec ce que je fais, avec peu importe, là. Genre. Ah ben là, vu que tu vas mettre les deux gars dans la même chambre, tu vas faire une autre chambre, ça veut dire que c'est une fille. Genre, la vie porte son cours, OK? Fait que c'est ça. En tout cas, je trouve ça plate d'avoir eu à faire ce petit disclaimer-là, mais je sais que j'ai pas le choix. Fait que c'est ça, ouais. Genre, il était couché sur le dos, puis là, genre, il bougeait sa tête comme ça, sans arrêt. J'ai rien qui était aux toilettes pour vider ma vessie, parce qu'ils ont fait comme une partie de l'écho avec la vessie pleine, l'autre... la vessie vide, puis genre là, genre, le bébé était rendu sur le ventre, comme il regardait comme mon dos, en tout cas, vraiment n'importe quoi, là, ça avait pas de sens.
Fait que, en tout cas, la madame a eu bien du fun. Elle était genre, tabarouette, il y en a qui ont de la vigueur à matin. Fait que, c'est ça. Mais en même temps, ça m'a tellement rassurée. Vous avez même pas idée comment ça m'a rassurée. Puis, c'est ça, tu sais, comme je sais pas, je l'ai dit, là, à la seconde, genre, où il a mis la machine. Ben, parce qu'au début, c'était un gars en formation, puis après ça, c'était une fille. Mais genre, au début, quand il a mis la machine sur mon ventre, j'ai vu le bébé bouger. J'étais là. J'ai repogné à ma magie. J'étais genre, il bouge. Je capotais. Fait que voilà, donc je sais que le vlog sera pas très très long, mais c'est un petit vlog échographie, puis c'est ça, fait que j'ai bien hâte à la suite des choses maintenant que je sais que tout va bien, puis que bébé est en très bonne santé, puis en passant, on écarte déjà là, la trisomie, là. C'est pas, selon elle, tout est beau, fait que voilà. Fait que voilà, je vous souhaite une bonne nuit, puis nous on va se revoir bientôt. Je sais pas quand. Bye!